Hola, mes amis, s'il vous plaît. Mes amis, nous allons passer une excellente soirée ensemble. Oh oui, nous allons parler littérature, peinture, sculpture. Ma femme Odile et moi, nous nous emmerdions. Et c'est à ce moment-là qu'Odile a lu une publicité pour une vente promotionnelle d'amis. C'est inhumain. C'est vrai. Mais ça ne nous empêche pas de jeter un coup d'œil. Nous avons donc décidé de nous payer un couple d'amis. Au moins, on est ensemble. C'est vrai. On aurait pu être vendus à l'unité. Il m'a paru plus sage d'acheter des amis légèrement inférieurs à nous. Nous n'avions plus le choix. Nous étions au bord du gouffre. Interdit bancaire. Expulsés. Ce sont des gens médiocres, comme nous. La rue nous tendait les bras. Entre la rue et le placard, nous avons choisi le placard. En tout cas, ils font pas du tout peur. Jacques et Odile sont complètement cons, mais ils sont pas méchants. Quel sentiment de puissance. Vraiment, ça me fait plaisir que vous soyez là. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point. Les meilleurs moments de notre vie sont ceux que nous passons avec vous. Ça, c'est des amis. De vrais amis. Pendant que ton mari fabrique la cheminée, peut-être tu pourrais nous faire la conversation. Un golf? Ah oui, un golf. En plein dedans. Bravo Jacques, bravo. J'adore le golf. J'étais, je sais pas si je dois vous raconter. Non, surtout pas, je m'en contrefou. Ça t'écorcherait la gueule de parler d'autre chose que toi. Et si nous parlions politique? Bah, je sais pas. Demande-moi si j'ai lu le dernier roman de La Fontaine. Des cocos, pas vrai. Coco? Mais... Moi, j'ai jamais pu les encaisser, les cocos. Pouvons-nous tout à fait oublier que ce sont des amis achetés? Ça te va bien? Quoi? De ne pas avoir de robe. Alors ça y est, nous y venons. Vous désirez faire de nous vos esclaves sexuels? Enfin, vous dormez bien à l'abri dans votre placard. Vous ne risquez pas d'être incommodé. Cette amitié contractuelle ne fait-elle pas de ce qu'on appelle vulgairement des vendus? Mais non. Nous vous aimons. Nous vous adorons. Nous vous aimons beaucoup, beaucoup, de tout notre cœur. S'il vous plaît, du calme. Je vous rends. S'ils nous rendent, on sera vendus d'occasion. Et peut-être une dernière fois, à prix sacrifié. Après... Vous pourrirez des années sur des étagères poussiéreuses. On finira par vous renvoyer au stock. Et vous serez passé au pilon. Oh, quelle bonne soirée. Oh. Mais il n'y a qu'avec de vrais amis qu'on peut s'engueuler aussi librement. Tu crois qu'on devrait s'en acheter d'autres? Des canapés? Non. Des amis.